La vérité, il est fort. Il est très fort, même. Et il joue le même poste que moi, c'est pour ça que je l'aime bien. Zizou. Z-I-Z-O-U. Zizou. Il fait tout ce qu'il veut avec la balle. Je sais pas comment dire. Il fait tout ce qu'il veut. Il peut te mettre un petit point, il peut te rouler tout le monde. Et après, il peut déclencher une grosse frappe. Ça fait but, ça fait goal! C'est bien en ligne là. Ça va. Pour moi, c'était un match comme les autres. Bon, on craignait un petit peu l'adversaire. Le PFC, c'est un petit peu la bête noire du PSG les deux dernières années. Vu qu'ils les ont battus deux fois en demi-finale et ils étaient tenants du titre. On va dire techniquement, c'est pas trop ça, mais physiquement, ils sont présents quoi. T'auras pas la pression là, hein? Devant 50 000 spectateurs au Parc des Princes. Obligé une toute petite pression avant le match, non? J'ai pas la pression. Là, t'es décontracté et tout. Bah oui. T'es content, non? Là, maintenant, il faut se faire plaisir. Hein. Ah, ouais. Là, si tu prends pas ton panard, c'est foutu. Hein. Mmh. Non. C'est là qu'il faut prendre son panard. Faut se faire plaisir et tout. Sur un grand terrain, tu développes, tu boumes dans le but, tu frappes de loin. Tu vois, le but, il est grand. Le but, il est grand. Tu pourrais mettre des ouvertures, tu vois. Descendre. Dès qu'on va arriver comme ça, dès qu'on va rentrer sur le terrain, on va voir, il y a grave des spectateurs, 50 000 spectateurs comme ça. Je vais rentrer, je vais regarder, je vais rêver. Je vais rêver. Ah ouais, ah ouais. Je sais pas, je ressentais, Je sais pas, de vous tous, là, vous avez pensé, je sais pas, vous kiffez tous des fois le soir, ouais, vas-y, machin, là, donne-moi là-bas, je marque en finale de la Coupe du Monde. Vous faites pas des petits plans comme ça dans ta tête. Même si tu veux pas le dire, là, tu vois, mais bon, tout le monde l'a fait. Tu vois, tu prends genre une petite boule de papier, tu crois que t'es dans un stade ou je sais pas quoi, machin. Plein de trucs comme ça, bon, tu vois. Et c'est le rêve, franchement, c'est le rêve de tout le monde. De gagner un jour une Coupe du Monde. Moi, le jour où je l'ai eu dans la main, je sais pas, j'ai pensé à mon père parce qu'il m'a toujours poussé. Il m'a toujours, même si c'était chaud des fois. J'étais jeune, tu vois, j'avais 20 ans. Et franchement, c'est des fois, ça a été difficile après, parce que tu sais, quand t'es jeune comme ça, un truc comme ça, t'arrive, c'est difficile à évacuer de la tête, tu vois. Des fois, tu es toujours en train de kiffer. Et c'était pas évident. C'était de la balle. Mais franchement, c'est bien. Moi, je vous dis, vous avez de la chance d'être là, parce que moi, quand je vois, tu vois, quand je suis arrivé à Monaco et même maintenant, tu vois, il y a des joueurs qui jouent, je dirais pas les noms, tu vois, il y a des joueurs qui jouent Arsenal, ils savent même pas faire un 2 contre 1. Tu vois, quand tu travailles les 2 contre 1, ça te paraît teubé quand tu les fais pendant 2 heures. Tu te dis, vas-y, c'est naze, c'est facile. Tu vois, vas-y, le mec, il passe, je lui mets là, ou je repasse dans son dos, c'est facile. Mais je te jure qu'il y a des joueurs internationaux qui jouent dans mon équipe, ils ne savent pas faire ça. Tous les grands joueurs qui viennent, voilà, passent par ici. N'est-ce pas, monsieur? C'est vrai. La présence de Jean-Michel Aulas, président du club de Lyon, est synonyme de contrat important. Toujours surclassé d'une année, Atem est en effet l'objet de toutes les convoitises. Mais c'est sur le terrain financier que l'OL a creusé l'écart. Des deux côtés, l'enjeu est de taille. C'est le début de la gloire. Si je réussis, c'est par là que je vais commencer. Et en plus de signer en France, eh ben, je vais toujours rester à côté de mes parents. C'est-à-dire, par exemple, à Lyon, c'est pas loin de Paris, c'est 2 heures de TGV. C'est vite fait. C'est-à-dire que maintenant, dès que je vais rentrer un week-end, je rentre. Et que si c'est à l'étranger ou quelque part d'autre, à l'étranger comme ça, eh ben, je vais mal sentir déjà la langue, la culture, tout va changer. En France, c'est toujours la même culture. En plus, Lyon qui est une grande ville, et ça va pas trop changer à Paris. Celle-ci, là, tu le mets là. Ouais, ça va mieux. Comme pour les grands joueurs potentiels futurs, voilà, le contrat, le premier. C'est important quand même. Hein. Ouais, voilà, merci. Très bien. Regarde Geoffrey, donne pas comme ça. Hein? T'arrives à me regarder. Si tu regardes pas, je rigole. Viens, une girafe. Mais si, il va se retourner, bah, t'as faute pas, il va se retourner parce qu'il en a gros sur la patate comme moi. Bon. Tiens, regarde, là il va me regarder. Regarde. C'est pour maman. De toute façon, il t'appellera. C'est toi, toi. Regarde, il va me regarder. Tiens, voilà, tu vois ce que je t'avais dit. Tu vois, je t'avais dit. Tu vois, comme ça. C'est discret, mais c'est gentil, tu vois.
Tu vois, je t'ai dit qu'il allait me regarder. Tu vois, et j'ai fait comme ça. Hop.